Bonjour tout le monde, ici Fannyville que pour tant d'élégance et aujourd'hui on va parler accessoires. Les accessoires sous l'Empire c'est vraiment très très important. C'est vraiment ce qui fait pour moi toute la mode Empire. Les costumes sont plutôt simples, plutôt clairs et puis euh, très diaphane mais ce qui va vraiment pimenter la tenue ce sont ces accessoires. Rien que sur ce tableau vous voyez que la dame en plus de ses bijoux qu'elle a déjà fort nombreux mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo elle a aussi un fichu une ceinture, un châle et puis une paire de gants. Donc vous voyez que là, sur un simple tableau, on a déjà toute une panoplie d'accessoires et justement dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour de tout ce qui est obligatoire ou pas. Nous allons commencer avec les 5 accessoires qu'une dame se doit d'avoir sur elle. Il est complètement impensable qu'elle sorte de chez elle sans les avoir. J'ai décidé de classer les chaussures parmi les accessoires. Alors forcément, il va vous en falloir. Alors la première catégorie que je vais vous montrer, ce sont les chaussures plates à bouts pointus, parce qu'il y a une chose qui est sûre en Empire, c'est qu'il n'y a pas de talons ou des tout petits. En tout cas, si vos chaussures ont des talons visibles et assez importants, c'est sûr que ça n'est pas histocompatible et vous ne pouvez pas les mettre pour vous faire un total look Empire. Donc là, vous voyez, ce sont simplement des ballerines avec des bouts pointus. Et ça, on arrive à en trouver des fois dans des magasins de ville. Euh, ça peut être des chaussures sur de ville comme ça, moi je sais qu'il y a quelques années j'ai réussi à trouver vraiment quasiment leur sosie en rouge et bien depuis je ne les quitte plus que j'avais payé la modique somme de 20 euros. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une période où c'est relativement simple de, de trouver des chaussures. Là, vous avez la version avec des petits talons. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas d'obligation quant au talons. Le tout, c'est qu'il faut qu'il reste petit si jamais vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça va tout aussi bien. Euh, là, pour faire ce genre de décoration, bah, si jamais vos chaussures sont en, en sky ou bien euh, tout simplement en cuir, vous pouvez, avec euh, une, un marqueur indélébile, faire ce genre de petits motifs. Ça sera complètement historique. Vous avez aussi des versions beaucoup beaucoup plus décorées. Donc là vous voyez qu'il y a carrément un pompon qui a été rajouté. Il y a de la broderie, il y a des couleurs contrastantes. Et au-dessus du pompon d'ailleurs il y a un petit bijou donc avec du strass. Donc vous voyez que vous pouvez partir sur des choses un petit peu fantaisistes sur les accessoires. Après vous avez tout ce qui est chaussures plates à bourron. Donc vous voyez que là, très très clairement, on est sur des choses qui ressemblent beaucoup à de la ballerine moderne. Donc c'est pour ça que ça, ça peut se trouver relativement facilement. Après, rien ne vous empêche de les customiser, donc de rajouter les petits nœuds, les rubans, les choses comme ça. Et puis, vous avez quelque chose de totalement acceptable pour de l'histoire. Là, vous avez la version avec des petits rubans donc, qui forment des nœuds et des boucles sur l'avant. Ça aussi, ça peut complètement se bricoler sur une paire de ballerines très classiques. Et puis, euh, comme ça, le tour est joué. L'autre chose que vous pouvez aussi fabriquer à partir de ces mêmes souliers qu'on vient de voir, donc à bout pointu ou à bout rond, il suffit de rajouter des rubans. Et dans ce cas-là, vous pouvez fixer vos chaussures en cothurne. Donc vous voyez, en fait, on est vraiment dans la mode de l'antique. Et donc, on aime bien ce genre de, de chaussures-là. Alors moi, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas les arrêter comme sur la gravure, mais de monter beaucoup plus haut, monter au-dessus de, du mollet. Parce que sinon, en fait, les rubans ne vont pas arrêter de tomber. Euh, là, vous avez donc des exemples de pièces d'époque euh, à bout pointu. Là, vous avez donc sur la gravure euh, une version avec bourron. Donc, vous euh, voyez que la dame, elle est en train de monter beaucoup plus haut que sur la gravure précédente. Et là, vous avez justement une pièce d'époque. Celle-ci, elle appartenait à l'impératrice Joséphine. Vous voyez qu'elles sont très, très décorées. Mais c'est quelque chose qui peut complètement se bricoler facilement, en fait. Et n'oubliez jamais que la plupart des robes empire sont transparentes sur le bas. Donc, euh, ce qui fait qu'en réalité, par transparence, on voit ce, ces, fameuses, euh, ces fameux lacets en fait, qui forment une espèce de couturne antique se voit par transparence à travers la robe. Ensuite vous avez tout ce qui est mules, qui est possible. Donc les mules euh, c'est tout simplement la partie qui est en bleu ici sur l'image. Tout ce qui est en blanc c'est un petit coussinet en fait qui permet d'éviter que la chaussure se déforme. Donc, vous voyez qu'on est sur des formes relativement simples, sans talons encore, mais euh, parfois on arrive à trouver ce genre de choses, euh, pourquoi pas parmi les chaussons aussi des fois. Donc regardez, ouvrez l'œil. Vous avez aussi tout ce qui est sandales. Et là, c'est beaucoup plus simple. En plus, là, on arrive à la fin de l'été, donc vous pouvez en trouver euh, en promo. Donc, vous voyez qu'on est très, 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 très proche des sandales modernes. Euh, donc, euh, là, on a un bout pointu, parce que c'est la mode des bouts pointus. Mais euh, un peu plus tard, quand ça sera la mode des bouts un peu ronds, on peut s'imaginer que les sandales, elles vont de fait avoir aussi des bouts ronds. Donc, là, on a justement une pièce d'époque à bourrons. Euh, donc, vous voyez qu'on euh, est très, très proche des spartiates qu'on peut acheter aujourd'hui dans le commerce. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne savez pas quoi mettre, les spartiates, ça marche tout à fait et c'est parfaitement histocompatible. Autre accessoire indispensable, tout ce qui est bas et jarretière. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble à des grandes chaussettes. Et d'ailleurs, vous pouvez en trouver sur Internet, vous prenez des chaussettes très très hautes, celles qui arrivent au-dessus du genou. Et vous verrez que si elles sont en coton, ça fait complètement l'affaire. Ça ne coûtera pas très cher et en plus, vous pouvez les avoir en quelques jours. Malgré tout, si vous pouvez y mettre un petit peu plus d'argent, il y a pas mal de boutiques qui vendent des répliques de pièces d'époque, donc qui rendront beaucoup mieux. Donc clairement, si vous faites de l'Empire un petit peu plus souvent qu'une seule fois. Pensez à plutôt investir dans des jolis bas en soie ou en coton et ça fera vraiment très très bien l'affaire. Euh, vous avez des versions donc, euh, rayées, brodées, euh, avec des motifs floraux, avec des motifs cachemire, etc. Donc là, vous avez vraiment des choses qui sont totalement dans le goût de l'époque. Et pour faire tenir tout ça, vous avez donc euh, les jarretières, ce sont simplement des rubans, alors brodés ou pas, ça peut être des simples rubans, que vous allez fixer entre le genou et le haut du mollet. Vous allez serrer un petit peu et puis après, vous allez rabattre les pentes du bas, en fait, par-dessus. Et vous verrez que ça ne bougera plus et que rien ne tombera. Ensuite, vous avez tout ce qui est couvre-chef. Donc, alors là, au niveau des couvre-chefs, il y a énormément de types de chapeaux qui existent. J'en je, parlerai dans une prochaine vidéo en long, en large, en travers, parce que je pense que je peux parler pendant des heures des chapeaux sous l'Empire. Là, je vous fais un bref résumé, mais globalement, sachez qu'en en fait, il y a quatre formes principales de chapeaux. Mais alors, vraiment, je suis en mode principal. C'est-à-dire qu'en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais je vous donne ceux sur lesquels vous pouvez assez peu vous tromper. Euh, le premier, ce sont bien entendu tout ce qui est chapeau. Alors en fait les chapeaux, vous voyez, ça peut ressembler à ça, tout comme ça peut ressembler à plein d'autres choses. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est qu'elles peuvent être en quatre choses. Enfin, ces chapeaux peuvent être en quatre matières. En feutre, en paille, en sparterie. Donc la sparterie, c'est tout ce qui est jonc, raffia, crin végétal. Donc euh, c'est pas de la paille, mais ça reste une matière végétale. Euh, ou bien en tissu. Donc sur une structure bien entendu un peu rigide. Donc ça ce sont vraiment les quatre types de, de, de possibilités de porter un chapeau. Tout ce qui est feutre ça va être plutôt pour des tenues d'Amazon et puis des tenues un petit peu masculines. Euh, ça sera plutôt réservé pour ça. Pour des tenues un peu plus féminines, un peu plus décontractées, on va être plutôt sur de la paille, de la sparterie ou du tissu. Alors bien entendu, euh, quand je parle des chapeaux, euh, ce sont des choses qu'on ne porte pas en balle de soirée. En balle de soirée, bien sûr, on vient avec d'autres choses potentiellement sur la tête, par exemple un turban, une coiffe ou, ou rien du tout. Mais en tout cas, effectivement, les chapeaux, c'est plutôt pour sortir de chez soi en journée. Euh, donc là, vous avez plein d'exemples de chapeaux qui vous montrent qu'il y a énormément de formes, euh, de types de chapeaux. Euh, je pense que ce serait complètement impossible de toutes les lister, tellement il y a de formes différentes qui existent. Euh, J'aurais tendance à vous conseiller de vous renseigner, de regarder un petit peu ce qui existe et ce qui vous plaît, et après rien ne vous empêche justement de recréer le chapeau dans l'esprit de. Euh, et je vous dis en fait à, sous l'Empire, il y a tellement de possibilités de chapeaux différents. Que quoi que vous fassiez, vous, serez, vous aurez assez peu de probabilité de vous tromper. Alors par contre, effectivement, on n'est pas sur des très grands chapeaux comme on avait déjà au XVIIIe siècle et qu'on va retrouver quelques décennies plus tard. On est plutôt sur du petit chapeau. Ou si jamais euh, vous avez des grands chapeaux, ce sera plutôt des chapeaux avec euh, en format entre guillemets un peu casquette et pas des chapeaux plats comme euh, comme on pouvait avoir, comme je vous disais, euh, sur le XVIIIe siècle. Euh, là vous avez donc un, donc un exemple en fait qui euh, est en sparterie et puis en tissu. Euh, donc euh, vous voyez que le motif peut être vraiment très recherché, vous n'êtes pas obligé non plus de faire des choses d'un seul tenant ou bien sans motif, vous pouvez faire jouer toute la fantaisie que vous avez dans la tête au contraire, à l'époque on faisait énormément de types de chapeaux dans plein de matières, plein de couleurs plein de motifs, donc euh, allez-y franchement euh, vous aurez assez peu de probabilité de vous tromper, là vous avez la version paille, donc là on a un chapeau à la Pamela euh, donc euh, tout en paille, donc avec vous voyez des petits ruchers de ruban et puis un autre ruban qui passe sous le, en bride donc sous, le, sous la gorge euh, donc vous voyez ça c'est relativement euh, simple à faire. Alors par contre, vous voyez que le haut du la calotte du chapeau est plutôt haute elle aussi et là ça va être déjà beaucoup plus compliqué à trouver mais il y a encore des chapeliers qui existent et puis il y a des formes déjà toutes faites qui sont vraiment typiques premier empire qui existent qui peuvent se trouver sur internet. Euh, là, vous avez donc euh, une petite capote euh, toute simple, donc euh, vraiment euh, la base de la base. Donc euh, ça, c'est relativement simple à faire. Donc vous voyez pas mal de décorations, des fleurs, euh, des nœuds, ce genre de choses. Elle est faite en tissu, celle-ci. Là, vous avez encore un chapeau en tissu. Donc vous voyez avec une forme beaucoup plus ronde et puis, euh, et puis une calotte euh, vraiment très circulaire contrairement à la précédente. Euh, donc euh, là encore, un chapeau en tissu. Là, toujours en tissu, vous avez un chapeau en velours qui serait plutôt un chapeau d'Amazon, donc un chapeau pour aller faire du cheval. Euh, donc euh, généralement, les tenues d'Amazon et les chapeaux d'Amazon et globalement les accessoires d'Amazon sont plutôt inspirés de la mode masculine. C'est pour ça que ce chapeau est noir et puis, euh, et je vous dis, il a une forme vraiment très, très euh, masculine. Bien sûr, c'est un chapeau de femme, mais il y a quand même un, un petit clin d'œil à la mode masculine, alors que sur les chapeaux qu'une dame va... Porter pour sortir, par exemple, on va être sur des formes beaucoup, beaucoup plus fantaisistes. Euh, ici vous avez une quiche note donc en fait euh, c'est ce qui permet euh, donc de bien engoncer la tête euh, c'est-à-dire qu'on ne voit vraiment que les mèches de devant qui ressortent. Vous voyez qu'elle a une petite bavette à l'arrière, ce qui protège la nuque des rayons du soleil, euh, parce qu'effectivement on a des robes quand même très très décolletées à l'époque plutôt. Et en fait ça s'appelle une quiche note parce qu'en fait ça vient de l'Angleterre, donc c'est un chapeau qui normalement s'appelle un kiss minote, donc ne m'embrasse pas, parce qu'en fait les deux, bancs, les, deux pores, les deux bords du chapeau empêchent justement un d'aller voler un baiser à sa, à sa dame et donc euh, le kiss minote est devenu en arrivant en france euh, prononcé avec l'accent franchouillard est devenu une la -quiche note qui est toujours euh, utilisée dans pas mal de, de tenues euh, du folklore euh, donc c'est quelque chose c'est un chapeau qui va vraiment rester très longtemps à la mode dans certaines régions Là, vous avez encore une capote euh, qui est euh, tout en tissu. Donc, vous voyez qu'on a vraiment pas mal de. On joue avec les contrastes, on joue avec les, les différentes couches de tissu qui ont des, des rendus très, très différents les uns des autres. Il y a de la dentelle en plus, il y a des nœuds, ce genre de choses. Donc, vraiment énormément de fantaisie sur les chapeaux. Là, vous voyez ici, on a un casque. Donc, je crois que d'ailleurs, c'est un chapeau à la Minerve. Donc, euh, ça forme un casque. Et puis là, encore plein de décorations, des couleurs contrastantes. Donc,. Euh, Globalement, faites-vous plaisir et allez-y à fond sur tout ce qui est fantaisie. Ensuite, en termes d'accessoires, on a aussi donc pour mettre sur la tête tout ce qui est bonnet et cornette. Alors, je vais aller là encore très très vite, mais globalement, un bonnet ça ressemble potentiellement à ça. Euh, donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est tout en coton, euh, qui, fait, qui est fabriqué par les lingères, alors que les chapeaux sont fabriqués par des modistes. Euh, et donc, vous voyez qu'une fois porté, ça peut quand même être plutôt sympathique et ça peut être très très sympathique quand c'est porté en dessous d'un chapeau. Ça c'est complètement possible. Euh, ça permet d'éviter de salir le chapeau avec potentiellement les pommades qu'on mettait sur les cheveux, et ça permettait aussi de protéger la chevelure des frottements du chapeau. Et ça peut donner un effet très très sympathique de cumuler la coiffe plus le chapeau. Alors qu'effectivement, si vous mettez la coiffe toute seule, il euh, y a un petit côté bonnet nuit aujourd'hui, selon nos critères modernes, qu'on n'avait pas du tout à l'époque. À hein. l'époque, c'était très très classe de s'habiller avec un bonnet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus du tout dans le goût de, les, dans le goût de notre époque, donc. Euh, J'aurais tendance à vous dire peut-être, euh, gardez-le pour euh, le port d'un chapeau, ça reste quand même assez intéressant et ça peut être très joli. Ensuite vous avez tout ce qui est turban et coiffe et là au niveau de, de ce côté là c'est peut-être ce qui est le plus simple à faire en réalité. Ici par exemple vous voyez à gauche vous avez un turban et à droite vous avez une coiffe. Donc en fait c'est fabriqué avec dans les deux cas avec un espèce de grand voile euh, et donc ce qui permet ce fameux voile justement d'être euh, torsadé, d'être euh, mis en chignon autour du crâne pour donner un turban ou d'être un peu repris et posé sur la coiffure. Et là, dans ce cas, ça va donner une coiffure. Alors, on dit coiffure à l'époque. Enfin, on l'écrit en tout cas. Euh, et donc, c'est pour ça qu'avec un simple voile, si jamais vous ne pouvez pas vous faire de chapeau, vous pouvez complètement quand même euh, improviser quelque chose qui vous permettra de ne pas avoir la tête nue. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une dame ne sort pas sans avoir quelque chose sur la tête. C'est complètement inconvenant d'être en extérieur et de ne rien avoir sur la tête. C'est absolument impensable pour l'époque. Donc si vous voulez faire quelque chose d'historique, le chapeau ou le turban ou le voile, c'est obligatoire. Euh, autre chose, tout ce qui est turban et coiffure, ça peut être porté en balle de soirée. C'est vraiment un des seuls cas particuliers où il serait acceptable d'avoir quelque chose sur la tête et pas uniquement d'être coiffé en cheveux. Donc, coiffé en cheveux, c'est quand tu utilises uniquement les cheveux. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Là, vous avez des, quelques exemples de turbans, donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé non plus de les faire euh, très symétriques. Ou vous pouvez aussi laisser des pans qui retombent. Euh, vous pouvez les faire monter haut ou pas haut. Vous pouvez faire recourir euh, des fleurs à l'intérieur. Vous pouvez mettre des plumes, pas de plumes, des décorations. Euh, là, c'est vraiment vous qui voyez. Pareil au niveau de la couleur, vous pouvez prendre des tissus fantaisie. Vous pouvez prendre des, plusieurs tissus que vous allez euh, tresser un petit peu entre eux pour euh, justement jouer euh, l'alternance de couleurs. Tout est possible. Donc voyez ici, vous avez un très 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 bel exemple de turban. Il faut savoir que les turbans étaient euh, fabriqués et posés par les coiffeurs et pas par les lingères comme les bonnets par exemple d'avant ou bien euh, les chapeaux comme les... qui étaient faits par les modistes. Euh, donc c'est aussi pour ça que euh, le, le turban ou la coiffure sont utilisables pour du bal parce qu'en fait ce sont des choses qui sont fabriquées, qui sont posées par des coiffeurs. Et pas par des gens qui fabriquent des chapeaux pour résumer euh, les choses. Là, vous avez encore un autre exemple. Donc, euh, vous avez un turban qui, qui donne un petit peu, qui fait un petit peu penser à un béret d'ailleurs, mais qui reste un turban et qui est constellé, qui est orné d'une très très belle aigrette d'oiseau du paradis. Euh, ça, à l'époque, ça s'appelle un esprit. En fait, la plume comme ça qui sort du devant du turban. Euh, et donc, en fait, ça, c'est vraiment le genre de chose qui est beaucoup beaucoup porté et euh, en balle principalement, mais aussi en journée. Autre accessoire possible pour se couvrir la tête, le voile. Vous pouvez complètement donc, euh, vous faire une coiffure. donc euh, là la dame elle est justement coiffée avec un, un voile, donc euh, c'est une coiffure en voile et puis en plus elle a donc tout un pan du voile qui retombe devant elle. Alors par contre si vous faites ça, ça veut dire que vous avez réussi à trouver à mettre la main sur un très joli voile ancien parce que le truc c'est que si vous faites ça avec un tissu moderne ça va pas être très très joli, pas très heureux. Là vous avez encore une dame, donc vous voyez qu'il y a un bonnet. Et par-dessus, elle a un voile donc qui retombe vraiment très amplement sur l'arrière et qui découvre le visage. Donc le voile n'est pas forcément euh, rabattu sur l'avant, il peut être tout simplement euh, drapant au niveau de la coiffure. Là, vous avez carrément le voile qui est fixé sur le chapeau. Parce que c'est vrai que rien ne vous empêche de mixer les deux, de, de mettre un voile plus un chapeau. Vient ensuite l'autre accessoire essentiel en journée. Pas en balle. Si jamais vous allez en balle, non, celui-là, il est absolument pas à mettre. Par contre, si jamais vous sortez en journée, vous êtes obligé de porter un fichu. Euh, ça, c'est vraiment une tendance qui vient du 18e siècle. On aimait beaucoup les fichus. Et sous l'Empire, c'est obligatoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'on voit votre poitrine. Et euh, il faut que vous protégiez, en fait, cette dernière, justement, des rayons du soleil. Alors, généralement, le fichu, il est fait en plein de matières possibles. Coton, soit laine, même en plume. Euh, il peut être uni, il peut être brodé, il peut être un motif. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, par contre, s'il a un motif, de faire très très attention et de rester sur des motifs acceptables pour l'Empire. Euh, il peut être très très petit et il peut être très très grand. Il y a plein plein de modes qui existent. Donc, euh, là encore, faites-vous plaisir, j'aurais tendance à vous dire. Euh, C'est généralement soit un carré qui est plié en deux, mais on a aussi quelques fichus qui existent qui sont de forme triangulaire. Il y a mille et une façons de le porter. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que d'une semaine à l'autre dans la mode, en fait, euh, la façon de le porter va nous dire si on est euh, has been ou si on est complètement in. Donc euh, là, j'aurais tendance à vous dire pour de la reconstitution, je ne pense pas que tout le monde sera sur exactement la même date. Surtout, généralement, on est sur la période entière et on n'est pas sur une année précise. Euh, surtout sur du civil. Donc, euh, j'aurais tendance à vous dire, faites-vous plaisir sur la façon de le porter, mais sachez qu'il y a plein, plein de façons de le mettre. Je vais vous en donner quelques-unes, mais je pourrais en parler pendant des heures du fichu. Je pourrais même écrire des tests sur le fichu, tellement il y a de choses à savoir dessus. Je ferai une vidéo, je pense, plus tard, qui sera uniquement destinée à vous parler de fichu. En attendant, je vous donne une petite preview de ce que je vais vous dire, justement, dans cette, cette, plus, longue con cette plus longue conférence sur le fichu lui-même. Donc, en fait, comme je vous disais, surtout à Avoir si jamais vous êtes en extérieur, donc à quoi ça ressemble le fichu ben, Ça peut être ça par exemple. Donc, vous voyez là, c'est fichu à bout pendant, donc il est tout simplement euh, euh, noué en fait sur la poitrine. Euh, il peut être pris dans le, la, le jupon. Donc, vous voyez qu'ici, la dame elle a une, un jupon en fait qui est euh, euh, qui, qui n'est pas d'un seul tenant avec, avec la, le devant du corsage, et donc, résultat, elle a pu placer en fait son fichu à l'intérieur de la du jupon donc de la de la jupe de la de sa robe et vous voyez qu'ici elle a un fichu à carreaux donc tout est possible aussi au niveau des motifs les carreaux, les pois, ce genre de choses, c'est des valeurs sûres. ou même tout ce qui est rayure, vous, enfin, vous êtes, sûr de ne pas vous tromper si vous utilisez des motifs géométriques. Pour des motifs plus stylisés, c'est beaucoup plus compliqué, par contre. Là, vous avez la version donc d'un très très grand fichu, vous voyez, qui est posé en fait sur ses épaules euh, et qui est orné, qui est bordé en fait de dentelle, euh, qui est elle-même encore ornée de petits morceaux, enfin de, de petits de fleurs de muguet. Alors en fait, ce sont des petites fleurs de muguet en porcelaine. Qui était très à la mode à une certaine période. Mais tout ça pour vous dire que le fichu peut être complètement uni. Donc vous voyez, ça doit à mon avis être d'ailleurs tout simplement un fichu en coton très fin. Mais par contre, qu'on a agrémenté avec pas mal de décoration pour dire de, de mettre un petit peu de fantaisie et de pas être tout simplement sur un fichu blanc. Là, vous avez encore un fichu. Donc vous voyez qui encore a des rayures dans un sens, dans l'autre, pour faire des carreaux, pas des carreaux, qui est aussi cette fois-ci croisé sur la poitrine et qui va être en fait noué à l'arrière du corsage. Euh, là cette dame là le porte totalement euh, détendu donc comme je vous disais tout à l'heure normalement le fichu c'est censé cacher la poitrine éviter que vous preniez un coup de soleil dessus mais en fait ça va vraiment dépendre des modes c'est à dire qu'il y a plein de modes euh, pendant lesquels on se dit hey, non on va les porter euh, comme ça et pas comme ça et pareil euh, on voit un petit peu là sur cette gravure que le fichu ça, cette dame le porte euh, complètement de traviole c'est à dire qu'en fait elle a un pan qui est beaucoup plus long que l'autre et elle a euh, la pointe du fichu qui est quasiment sur l'épaule qui est vers nous et ça ça correspond à une mode de, qui va durer pas mal de temps sous l'Empire. Il faut surtout pas que le fichu soit bien au centre. Il faut qu'il soit complètement porté euh, de traviole. Euh, et là encore, je vous dis, ça fait partie des modes. Donc, euh, si jamais à un moment donné vous croisez une dame qui a son fichu euh, mis d'une certaine façon euh, et que c'est absolument pas esthétique, c'est-à-dire que ça pendouille d'un côté, pas de l'autre, etc., dites-vous que c'est peut-être 100 historique et que c'est peut-être complètement volontaire de sa part. Euh, ici, vous voyez que la dame elle a un autre fichu donc, qui est très, 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 très grand, euh, qui a l'air d'être de forme triangulaire. Et vous voyez qu'il est orné de formes géométriques. Donc, euh, il est pris dans sa ceinture, ce qui permet justement de, de faire qu'il tienne bien. Euh, et donc, vous voyez qu'il a une forme quand même relativement sympathique. Et puis, euh, il habille complètement la silhouette de la dame. Là, vous avez un fichu tout simple, euh, rouge. Donc, euh, pareil au niveau des couleurs, tout est possible. Donc, là, elle a un chapeau rouge. Donc, c'est ce qui permet en fait de faire un rappel avec son chapeau. Ça permet vraiment d'habiller une robe toute simple et donc en fait là vous voyez que son fichu donc elle l'a passé à l'arrière et puis elle l'a simplement croisé sur la poitrine et elle a tout simplement mis un, fait un nœud en fait au niveau de la ceinture sur l'arrière. Là vous voyez que le fichu il est brodé parce qu'effectivement les fichus brodés, brodés ça existe aussi et vous voyez que la dame ici elle le porte carrément posé sur une épaule. Et là encore, je vous dis, ça fait partie des différentes modes qui émaillent en fait tout le Premier Empire. Il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'il y ait une façon nouvelle de porter le fichu. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, il y a mille et une façons de les porter, je n'exagère qu'à peine. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de les mettre. Donc là encore, regardez un petit peu ce qui se fait et puis euh, faites-vous plaisir. Et puis euh, de toute façon, le fichu, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un accessoire qui se fabrique très facilement. Et puis euh, vous êtes sûr d'être complètement historique si jamais vous avez un fichu sur vous. Euh, le fichu va évoluer, va devenir en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une guimpe. Donc vous euh, voyez que là encore il euh, y a des moments, il y a des époques de l'Empire où on appelle ça encore un fichu. Donc euh, ça a d'autres noms potentiellement mais il faut savoir que voilà ça finit par évoluer au bout d'un moment dans, euh, en guimpe et à partir du moment où les guimpes se mettent à exister... Donc tout ce qui est guimpe, col, collé etc. Eh bien dans ce cas-là, si jamais vous avez un col, un collet, une guimpe, vous n'êtes plus obligé de mettre un fichu. Mais vu que les, ce, les fichus restent pendant euh, pff, tout au moins toute la première moitié de la période d'Empire, donc c'est pour ça, que comme je vous disais, mettez un fichu et euh, vous avez très très peu de probabilité de vous tromper, sachant que les dames, même en fin de période empire, elles continuaient des fois à mettre des fichus si jamais elles n'avaient pas de col ou de guimpe. Là vous voyez donc on a encore une autre forme de guimpe avec carrément une fraise. Euh, donc là c'était vraiment pour vous montrer euh, les différentes évolutions possibles. Et là on est vraiment un peu plus tardif dans l'Empire. Euh, donc c'est vrai que voilà, les, les fichus sont plus forcément hyper contemporains euh, dans les gravures de mode avec, euh, avec euh, ce type de colle et puis ce type de fraise. Là vous avez encore donc ce qui s'appelle un collet donc c'est-à-dire qu'en fait on va aller imiter le fait d'avoir une chemise. Donc on a l'impression que cette dame elle a justement une chemise avec un très très joli col en, en dentelle mais en réalité c'est pas du tout du tout une chemise, c'est vraiment un collet donc c'est un c'est un fichu col aussi ça s'appelle parfois. Donc c'est vraiment le, ce que va devenir le fichu par la suite. L'idée ça reste de protéger en fait la poitrine de la dame des rayons du soleil en théorie. Euh, là, vous avez carrément une version, vous voyez, avec un col qui est très, très euh, bouffant et très, très euh, volumineux. Donc là encore, vous, si jamais vous préférez ça à porter un fichu, eh bien, faites-le, faites-vous plaisir, c'est parfaitement historique, que ce soit une fraise ou bien un col en dentelle, ça marche aussi. Le tout, c'est d'en porter un dans tous les cas, donc fichu ou col ou coller. Là vous avez carrément sur une tenue d'Amazon, donc vous avez une dame justement qui a carrément un col qui imite une chemise, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression qu'elle a, a une chemise très très boutonnée tout en haut euh, du cou, et en fait ça encore c'est une garde, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui n'entoure ne, qui ne, simplement que le cou et qui va descendre sur la poitrine, mais c'est absolument pas toute une chemise. Autre accessoire essentiel, la ceinture. Alors ça, ce qui est bien avec la ceinture, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez bricoler très très vite, même au dernier moment, pour vraiment agrémenter une robe. Par exemple, ici, vous avez tout simplement une ceinture qui est agrafée sur l'avant. Donc en fait, ce qui permet d'agrémenter le devant de votre ceinture avec un joli bijou. On oublie souvent justement de mettre des bijoux en fait sur les accessoires, mais ils peuvent totalement en recevoir. Vous n'êtes pas obligé de garder les bijoux pour vous. Euh, là, vous avez la version donc, où c'est un simple ruban très très long qui va être noué à l'arrière, donc avec une belle cocarde et puis deux grands pans qui vont, qui vont flotter au vent. Ça va être très très joli. Et en plus, on a mis une, une broche sur l'avant, ce qui permet justement de mettre une petite décoration et de rajouter une petite touche de fantaisie sur une robe qui serait euh, par ailleurs beaucoup peut-être trop simple pour le goût de l'époque où on aimait bien vraiment tout le sens du détail. Ici vous avez la version qui se ferme sur l'avant. Donc vous voyez qu'on est sur un, un ruban donc, euh, qui est euh, avec des motifs. Donc là encore, vous pouvez trouver des motifs de rubans, donc euh, des croisillons, des pois, des rayures. Euh, vous pouvez utiliser aussi des moirées, donc avec des effets, vous pouvez utiliser des rubans avec plusieurs couleurs. Tout est un peu possible au niveau des rubans. Tant que vous restez histocompatible, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à vous dire, n'achetez pas de ruban euh, en synthétique là ça risque de se voir vraiment beaucoup donc mettez peut-être un peu plus cher pour avoir un joli ruban mais dites-vous que votre ceinture en ruban après vous pouvez la réutiliser énormément si c'est pas en ceinture ça sera pour faire par exemple une décoration de chapeau ce genre de choses en tout cas un beau ruban n'est jamais perdu Là, vous avez carrément la version écharpe, c'est-à-dire qu'on a pris une grande écharpe très longue, on a fait plusieurs fois le tour de, du buste avec l'écharpe et puis on l'a nouée façon ceinture. Donc vous voyez que la ceinture n'a pas vocation à être discrète, euh, elle peut l'être, mais elle peut aussi être très très visible et vraiment faire partie euh, intégrante de, du costume et de la robe. Ici, vous avez des ceintures croisées. Alors, une ceinture croisée, c'est simplement, on a pris la ceinture et en fait, on a fait plusieurs fois le tour du buste de la dame avec la ceinture. Donc là, on prend des, des ceintures très très longues et on va les croiser en fait sur l'arrière du dos. Euh, généralement, alors, euh, c'est ce qui s'appelle souvent une, des ceintures à la victime. Alors, les ceintures à la victime, c'est vraiment une façon de les croiser très particulière. Mais globalement, retenez que ça s'appelle des ceintures croisées. Et ça, c'est très simple à faire et ça donne des résultats magnifiques. Donc, si jamais vous avez une robe toute blanche, ça peut être vraiment une bonne idée de, de façon d'agrémenter un peu de votre robe de lui donner un petit peu de peps euh, là vous avez carrément donc la même chose mais avec des rubans donc euh, je soupçonne ici qu'une grande partie des rubans en réalité soit cousue sur la robe et puis qu'en fait la ceinture elle est vraiment une vraie forme de ceinture c'est à dire qu'elle fasse simplement le tour de, de, de la taille euh, et du coup on a simplement un rappel de la ceinture sur la sur la robe et en fait on a l'impression que la ceinture fait plusieurs fois le tour, se croise de manière très jolie, mais en réalité à mon avis je vous dis je pense que c'est du trompe l'œil. Donc si jamais vous êtes sûr, enfin vous l'êtes sûr que la ceinture ne retombe pas, qu'elle reste vraiment bien croisée, etc., ça peut être une chose à faire justement de coudre en fait votre ceinture directement sur la robe. Alors si vous le faites, attention aux fermetures de la robe parce que si vous ça vous empêche d'ouvrir ou de retirer la robe. Euh, bah là c'est un peu gâché comme effet. Là vous avez encore une fichue un hein, ceinture. Donc en fait on a utilisé un fichu qu'on a vu préalablement et qu'on va avoir en fait euh, tout simplement torsadé au maximum pour lui donner un minimum de volume et puis après on va tout simplement aller euh, se draper donc à faire justement une ceinture croisée. Avec ce fichu, donc qui est toute la partie noire qu'elle porte autour du buste. Euh, donc vous voyez que là, le fichu ne protège absolument pas la poitrine, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais peu importe, là, l'honneur est sauf parce qu'elle a bien un fichu. Bon, il est porté pas du tout comme il faut, il est porté en ceinture, mais on est bon, elle a un fichu et en plus, c'est parfaitement histocompatible. Donc c'est pour ça, la ceinture, c'est pas forcément un ruban, ça peut être une écharpe, ça peut être un fichu, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Autre accessoire essentiel et peut-être même beaucoup beaucoup plus essentiel que ce qu'on a vu juste avant, les gants. Vous ne sortez pas de chez vous si vous n'avez pas votre paire de gants et ça c'est très 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 important. Euh, sur les centaines de gravures que j'ai vues, il y avait peut-être, je crois, une seule où j'ai vu une dame qui n'avait pas ses gants. Tout le monde, tout le temps, a toujours ses gants dès qu'il sort de chez lui. Vous voyez ici, vous avez une paire donc, qui est de couleur verte. Elles peuvent... Les gants peuvent être courts, donc c'est pour ça que vous pouvez complètement aller opter pour des gants d'opéra. Je tendance à vous dire, euh, faites juste attention à une chose, c'est au brillant des gants. Il ne faut pas qu'ils soient trop brillants, parce que là on va tout de suite voir que c'est du synthétique. Mais si jamais ils sont mat, euh, donc en cuir bien sûr c'est le mieux, mais ils peuvent être en tissu parce que déjà à l'époque on faisait aussi souvent les gants en tissu. Donc on les faisait généralement en basin, donc qui euh, est qui est un espèce de petit tissu d'amassé, donc de coton. Euh, donc c'est pour ça, que tout est possible. Si jamais vous vous sentez, vous pouvez aussi les fabriquer vous-même, ça marche complètement. Donc là, voilà, vous avez une version qui arrive sous le coude, qui est plus rare, qu'on voit un peu moins souvent que la version très très longue, mais il y en avait. Euh, là, vous avez donc la version très longue, justement, donc encore en cuir. Donc, vous voyez que quand la dame les porte, ça monte très très haut. Euh, ça va être tenu en fait euh, en haut par euh, des rubans, donc des espèces de jarretières entre guillemets, mais fait pour les gants. Euh, ce qui va permettre d'éviter que les gants ne retombent. Euh, vous avez aussi la possibilité de mettre une coulisse. Donc, euh, vous voyez, là, ça s'appelle des gants froncés. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on va là encore tout simplement euh, retire... enfin, mettre un petit nœud pour fermer et pour, euh, pour que les gants ne retombent pas. Autant vous dire qu'une fois que vous êtes harnaché avec des gants qui sont serrés, euh, vous ne pouvez pas vraiment les, les, les défaire et les remettre comme vous voulez. Enfin, vous les gardez définitivement toute la journée. Euh, vous avez aussi la version sans coulisses et sans petit ruban en haut et dans ce cas là en fait les gants vont complètement retomber, alors là ce ne sont pas des gants ce sont des mitaines parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais il y a énormément de mitaines aussi sur les gravures sur les sources d'époque donc que vous optiez pour des gants longs et avec des doigts ou pour des mitaines ça marche tout pareil c'est votre choix c'est vous qui décidez à mon avis aussi selon ce que vous allez trouver. Ou fabriquer fabriquer des mitaines, c'est un peu plus simple que de fabriquer des gants. Donc, si jamais vous voulez les faire vous-même, j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt partir sur des mitaines et de regarder un petit peu tout ce qui est euh, euh, patron de gants 18e parce qu'il y a énormément de mitaines ou 18e. Donc, vous prenez tout simplement un patron 18e et vous agrandissez pour euh, que les gants montent beaucoup plus haut et vous aurez comme ça votre paire de mitaines euh, réalisée assez facilement. Donc, voyez. Par contre, ils peuvent être complètement tombants, ça va être vraiment dépendant de la mode. Il y a des semaines où il faut les avoir très très hauts et puis euh, très froncés, la semaine d'après ça va être euh, retombant et puis la semaine d'après potentiellement ça va potentiellement aussi être court. Vous voyez ici, donc par exemple cette dame elle a donc euh, des manches longues, il va sans dire qu'elle n'a pas de gants longs sous ses manches longues, elle a des gants courts. Alors malheureusement j'ai pas retrouvé la gravure, mais il y a une gravure justement où on voit très clairement une dame euh, qui a des gants courts à la main. Donc la preuve aussi que ça existait ceci vous voyez par exemple ici à droite, les gants ne sont pas immenses. Alors ils sont un, ils sont un peu euh, retroussés, donc ils devraient être, être un petit peu plus longs que ce qu'on voit sur la gravure en réalité. Mais par contre, une chose est sûre, ce ne sont pas des gants très très longs, euh, sans quoi il y aurait beaucoup beaucoup plus de volume justement euh, au niveau, de, au niveau de, du poignet. Donc c'est pour ça les gants courts, il y en a très 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 peu. Réservez-les plutôt sur des quand vous portez des vêtements à manches longues, mais il y en a, ça peut exister. Et en dernier recours, bah, ne mettez pas de gants si vraiment vous n'en avez pas, mais si je vous dis, c'est très très rare et c'est peut-être un peu dommage quand même. Euh, donc allez taper du côté des gants d'opéra et essayez de trouver une matière qui soit pas trop trop brillante et puis euh, ça fera complètement l'affaire. Et si jamais vous faites de la reconstitution à haut niveau, j'aurais tendance à vous dire de vous trouver une paire de gants anciennes ou bien sinon de vous en faire fabriquer ou d'en fabriquer en fait en cuir. Maintenant on va passer aux accessoires fréquents. Donc tout ce qu'on a vu juste avant c'était obligatoire. Euh, par contre j'ai bien à chaque fois fait le distinguo entre ce qu'il faut en journée et ce qu'il faut en soirée. Donc on est bien d'accord, les chapeaux par exemple pas à un bal à part si c'est des turbans ou des coiffures, mais vous venez pas à un bal de soirée avec un chapeau ça ça, ça, ça ne se fait pas du tout. Euh, de la même façon vous ne venez pas en bal avec un fichu. Là le fichu par contre il lui il est obligatoire pour la journée. Maintenant du côté des accessoires fréquents voilà ce que vous pouvez trouver. Un autre accessoire à avoir forcément, c'est tout ce qui est éventail. Alors les éventails brisés, c'est la première catégorie que je voulais vous présenter. Ce sont tout simplement les éventails comme on les connaît, donc le, la forme la plus classique qui soit. Ah, donc il se plie, déplie. Là, vous avez un éventail typique du goût premier empire, c'est-à-dire qu'il est monté sur une feuille de tulle. Beaucoup de sequins sont brodés dessus, donc très très métallisés, euh, sur des montures en os ou en ivoire ou en acre éventuellement. Donc ça, c'est vraiment l'éventail type et il est de petite taille. Quand on voit la taille des doigts à côté, on se rend compte que ce n'est pas un très très grand éventail. Un très, très grand éventail. Euh, là vous avez un autre exemple d'éventail euh, qui peut faire euh, le job sur de l'empire, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre un éventail moderne euh, en plastique, souvent et des fois ils en vendent dans le métro ou bien vous pouvez en trouver en fait euh, sur internet. Vous allez le peindre alors très précautionneusement pour faire quelque chose de joli bien sûr. En doré, donc la monture, et vous peignez la feuille avec le motif de votre choix. Et si vous faites les choses bien, en fait, euh, je sais que j'ai plein d'amis qui ont fait ça en vieillissant un petit peu l'éventail et tout. Et c'est vraiment euh, méconnaissable. Enfin, il faut vraiment avoir euh, l'éventail dans la main pour sous-peser se rendre compte que c'est du plastique. Et puis, euh, et, ou bien quelqu'un vraiment qui s'attend à trouver un éventail euh, bricolé. Mais si jamais euh, vous allez en balle ou en événement euh, en reconstitution toute classique, eh bien n'hésitez pas à opter pour ce genre de petit bricolage, ça coûte pas très cher à faire, ça prend juste un petit peu de temps, mais si vous faites les choses bien, vous aurez un très très bel éventail. Et ne faites pas la même bêtise que moi, parce que moi là j'en avais fait un très très beau et résultat je me suis fait piquer. Donc comme quoi la preuve que c'était plutôt réussi. Euh, au niveau des motifs sur la feuille, vous pouvez mettre des scènes un peu pastorales, des scènes à l'antique, ça c'est très très dans le goût de l'époque. Vous voyez, on voit toujours des petits sequins sur la monture vous pouvez mettre des scènes politiques aussi la propagande pro empire marche très très bien pendant l'empire donc si vous faites ça vous êtes carrément à, à fond dans le type d'éventail qu'une dame de l'empire pouvait porter l'idée c'était vraiment de soutenir de soutenir l'empire donc voilà c'est complètement possible de faire ce genre de choses qui est très très kitsch selon nos goûts modernes mais qui était absolument dans le goût de ce qui se faisait à l'époque autre type, donc ici vous voyez là on est en fin de période, donc on est vers 1815 à peu près, et là l'éventail il a vraiment fortement rétréci, et là on est après l'Empire, on est juste la période d'après, on n'est pas encore en période romantique, on est vers 1826 à peu près, et là on est sur des éventails minuscules, en fait à partir de la fin de l'Empire ça ne cesse de, de, de rétrécir, de rétrécir, pardon, et donc en fait ça vous donne des éventails minuscules à tel point que souvent les gens croient que ce sont des éventails de poupées quand ils les croisent. Ensuite vous avez d'autres formes d'éventails, euh, donc là on n'est plus dans de l'éventail brisé, on est dans de l'éventail rond. Euh, ça, ça peut se bricoler aussi. C'est un petit peu plus technique, mais ça peut se fabriquer aussi. Euh, là, vous avez un exemple donc, qui est en os ou en ivoire, je ne sais pas exactement. Donc, euh, ça, se, ça se replie. Donc, c'est très très joli, mais un petit peu plus technique, beaucoup plus technique à faire. Par contre, vous pouvez faire des versions un peu bricolées, justement, vous voyez, avec des petites feuilles euh, comme ça. Ça, ça peut se fabriquer si jamais vous êtes euh, bricoleur, bricoleuse. Vous pouvez essayer de refabriquer ce type d'éventail. Et ça, on en trouve beaucoup, ces éventails ronds dans les sources. Ça ça marche très très bien si jamais vous avez la chance d'en avoir un ou d'avoir une réplique n'hésitez pas à le sortir c'est parfaitement le genre d'éventail qu'on trouve sur la période empire Quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dames ont sur les épaules, c'est tout ce qui est châle. Alors donc à l'époque, ça se dit un châle. Euh, et donc le châle, c'est vraiment un must-have de la mode empire, même si on n'en voit pas sur toutes les gravures et on n'en voit pas sur toutes les sources. Donc en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas classé dans les obligatoires. Le fichu en journée est obligatoire, le châle est conseillé, mais absolument pas obligatoire. Il y a énormément de dames qui n'en ont pas. Euh, et puis pareil, il y a plein de légendes urbaines autour du châle. Euh, souvent, en fait, on s'imagine que le châle, c'est ça ou ça. Vous voyez, donc les grands châles en cachemire. C'est vrai, ce sont effectivement les châles les plus en vogue de l'époque. Il faut savoir que pour l'époque, ça équivaut au niveau du prix parfois à une Honda aujourd'hui, donc une voiture, hein, j'entends. Donc euh, vous imaginez, c'est vraiment un signe extérieur de richesse énorme. Plutôt que d'avoir une belle voiture aujourd'hui, à l'époque, on aurait acheté un châle de ce genre-là. Donc ça vaut très 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 cher. En plus, on les fait venir de contrebande. Euh, la plupart du temps, parce que les plus beaux châles sont les châles d'Inde. Donc, le truc, c'est qu'on est en Inde et c'est euh, province anglaise. Donc, euh, ce qui fait que Napoléon interdit complètement l'importation des châles. Ce qui fait le désespoir de, de l'impératrice Joséphine, parce qu'elle adore les châles de ce genre-là. Et donc, elle à tel point qu'elle les fait venir euh, en contrebande, et puis qu'il y a même des descentes de la marée chaussée pour venir saisir des châles de l'impératrice, parce qu'en en fait, elle en fait venir en contrebande, donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois dangereux, cher rare, donc c'est vrai que si vous avez ce type de châle qui peut faire empire, donc vous voyez qu'il y a une énorme réserve, donc la réserve c'est toute la partie sans motif euh, donc qui est très 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 importante, ça n'hésitez pas, vous sortez-le, c'est très très historique, vous le mettiez en journée ou en balle, ça passe complètement ne vous le faites pas piquer par contre comme à l'époque ça se faisait beaucoup, il y avait des dames qui étaient spécialisées en fait dans la kleptomanie de châle Vu le prix, on pourrait quasiment les comprendre ou pas. Euh, donc voilà. Donc vous voyez des châles donc de type cachemire. Donc souvent quand on imagine un châle en pied, on imagine, on pense à ça. Mais il faut savoir que ça c'est vraiment une très très petite euh, quantité des châles qui se faisaient à l'époque, c'était vraiment réservé aux gens très 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 riches euh, la plupart du temps en fait le châle c'est tout simplement un grand grand carré ou un grand rectangle de tissu donc vous voyez ici euh, donc châle presque carré euh, il est en coton, il est tout simple il est blanc, donc comme quoi le châle il a absolument pas besoin d'être en cachemire là vous voyez c'est un châle long donc je vous ai mis les deux formes, donc à gauche carré et à droite euh, forme un peu écharpe mais un peu étole, mais par contre très large et très très long. Les châles peuvent faire jusqu'à 4 mètres de long. Donc c'est pour ça n'hésitez pas au niveau longueur, ça permet de mieux se draper à l'intérieur et ça ça se porte donc comme je vous disais en journée comme en balle. Et pareil la façon de porter le châle va vraiment dépendre d'une période à l'autre. Là vous avez d'autres châles qui sont carrément transparents. Donc vous voyez châle de soie en tulle donc Quiconque vous dit qu'un châle c'est forcément en cachemire vous dit n'importe quoi. Il y en a, mais c'est vraiment une exception, c'est très très rare. La plupart du temps, les châles c'est ça. Donc euh, c'est simplement une bande de tissu, un carré de tissu quel qu'il soit tant qu'il est histocompatible, il peut être décoré, il peut être orné, il peut ne pas être décoré du tout, euh, tout existe complètement. Donc, vous voyez là ici euh, la dame là donc son magnifique châle bleu qui a l'air d'être brodé avec des petites olives donc qui pendent euh, sur les côtés. Donc pareil, il peut être vraiment orné de pas mal de choses. Euh, ici, vous voyez donc euh, les châles de ces dames-là sont relativement simples, très très grands toujours, mais très simples. Pour résumer, en fait, le, le châle, c'est tout simplement un fichu qui a une taille XXL. D'ailleurs, on peut remarquer que si jamais vous avez un châle, vous pouvez, c'est un des seuls cas de figure où vous pouvez ne pas avoir de fichu. Euh, parce qu'en fait, pour moi, le châle, enfin, tel qu'il est porté sous l'Empire, je soupçonne fortement qu'en réalité, ce soit un cousin en fait, du fichu. C'est juste le fichu taille XXL. Et donc effectivement, le, le châle, euh, comme on l'entend, donc euh, vraiment en version... Euh, euh, très large, très grand et en Cachemire, c'est euh, vraiment réservé à, à très peu de personnes. Donc vous voyez, ils peuvent être avec des motifs. Donc si jamais vous avez des tissus qui vous connaissez euh, comme étant très histocompatibles, allez-y franco. Il y en a qui sont de goût absolument douteux d'ailleurs avec des motifs très très étranges. Euh, vous voyez qu'ils ne sont pas toujours tous vides. Là par exemple vous voyez châle de Vienne. Donc en fait ça va aussi vraiment beaucoup dépendre de l'endroit d'où vient votre châle. Euh, là, vous voyez encore un châle donc, qui, est, qui est porté comme de cette façon-ci, un autre qui est porté de cette façon-là, parce que tout comme les fichus, et c'est vraiment pour ça que pour moi il y a vraiment un cousinage entre le fichu et le châle il y a mille et une façons de porter le châle, et à chaque fois, c'est la mode qui vient vous dire comment il faut porter euh, cette semaine votre châle. Donc euh, il y a plein, plein de façons de faire, donc euh, vous pouvez être euh, créative. Euh, et par contre, dans tous les cas, globalement, pour résumer, le châle est chaud si jamais il fait un peu froid et il peut être complètement transparent en tulle et dans ce cas-là de ne protéger de rien du tout en été. Donc euh, là, sur le châle, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un châle d'époque, comme je viens de vous montrer. Une pièce de tissu qui est retravaillée peut complètement faire l'affaire. Autre accessoire qu'il vaut mieux avoir, c'est tout ce qui est sac et ou réticule. Alors à l'époque, le réticule s'appelle un ridicule. Parce qu'en fait, c'est vraiment une petite chose euh, avec des formes un petit peu biscornues et sur des ficelles, enfin des cordes très très longues. Et donc en fait, ça c'est très très étrange pour l'époque. Et donc à tel point que bah, on les appelle des ridicules. Et après ça va devenir donc, le mot réticule euh, qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc vous voyez, donc ça qu'appelait ridicule en forme de corbeille. Et donc là encore, on peut imaginer que le motif donc, euh, doit être brodé ou peut-être imprimé. Mais en tout cas, on a des choses quand même avec des... des ou, sur lesquelles ils osent aller sur des motifs, sur des décorations euh, assez poussées. Là vous avez un exemple de sac d'époque, donc vous voyez là c'est vraiment un ridicule en corbeille, donc il y a vraiment une corbeille au fond, et puis par-dessus donc vous avez une petite partie en tissu avec l'ances que vous pouvez faire bouger sur la coulisse dans un sens ou dans un autre, et donc ce qui permet en fait de refermer le sac. Là, vous avez encore un autre réticule en corbeille. Donc, vous voyez, quand on parle de corbeille, on... ce sont des réelles corbeilles. Euh, Celui-là, donc, euh, il est couvert de, de toutes petites perles avec de la dentelle et ce genre de choses. Donc, ce sont des objets très précieux et très ornés. Il y a vraiment une course à l'époque sur les accessoires. Euh, comme vous pouvez voir, en fait, euh, autant les robes, il y a très, très peu de variété. Par contre, ce qui fait toute la variété et tout le goût d'une dame, ce sont ses accessoires. Là vous avez des versions un peu en lampion, alors moi j'avoue j'adore ça, si vous connaissez quelqu'un qui euh, sait faire du crochet, ben, passez lui commande parce que vous voyez c'est quand même magnifique et puis euh, là vous seriez complètement sur quelque chose d'historique donc avec les petites pampilles qui descendent, euh, c'est très très sympathique. Là vous avez des versions un peu plus standard et ça c'est très très simple à faire, donc vous euh, voyez qu'en fait dans le réticule on peut y, y ranger beaucoup de choses, là la dame a rangé vraisemblablement son tricot. On voit les aiguilles qui en dépassent. Euh, à gauche, vous avez une version historique, enfin une version qui, 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 qu'on a encore, enfin, qu'on a, qui est arrivée jusqu'à nous, pardon. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petits pompons, beaucoup de décorations, vraiment des formes très biscornues. Là, vous avez encore des versions donc avec, vous voyez, des glands, euh, euh, des sourcils de haneton ce genre de choses, avec des fermoirs comme à gauche ou pas de fermoirs. Là encore. C'est vous qui voyez et c'est vous qui vous faites plaisir. Vous pouvez complètement partir dans des choses ultra fantaisistes sur les réticules. Il y a tellement de choses qui existent que vous auriez très peu de probabilité de vous tromper et de faire quelque chose qui ne soit pas historique si vous utilisez les bonnes techniques d'époque et les bonnes matières d'époque. Là, vous avez encore un réticule des réticules ronds. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester sur des formes... Carré, ovale, en corbeille, etc. ou en parallélépipède. Vous pouvez complètement aussi partir sur des choses rondes. Euh, vous pouvez aussi avoir ici, c'est un sac falbalassé. Donc en fait, les falbalas, c'est euh, tout simplement les petits ruchers qu'il y a sur les côtés du sac. Ça, c'est très très simple à faire. Hein. C'est un simple carré qui a une coulisse dans laquelle vous passez un ruban euh, assez long. Et donc, ça vous permet de ranger plein de choses. Donc quand on est en constitution, c'est toujours pratique de pouvoir ranger son, son, son téléphone quelque part. Pour éviter de l'avoir sur soi et puis de, de risquer en fait de gâcher des photos et puis quand même de l'avoir à portée de main. Moi j'avoue le, les réticules de l'époque je les trouve vraiment très très pratiques. Et après n'hésitez pas au niveau des décos vous pouvez faire plein de choses avec de la broderie, avec de, de la passementerie, avec de la peinture sur tissu éventuellement pour faire une copie de quelque chose qui serait imprimé. Enfin vous pouvez vraiment vous faire plaisir et vous lâcher complètement sur, les, sur tout ce qui est sac et, et accessoires. Là vous avez donc euh, un, une gypsière en soufflé, donc on a aussi beaucoup de sacs qui vont être en marocain. Donc euh, de le marocain, donc c'est un cuir euh, moulé généralement, donc pareil avec des formes assez euh, étonnantes et souvent assoufflées. Et ça, vraiment, si vous avez ce genre de petits sacs là, euh, on en a encore fait de manière moderne, donc ça peut être trouvable, et eh bien c'est parfaitement histocompatible. Donc si vous avez des petits sacs en marocain, n'hésitez pas, c'est le moment de les sortir. Euh, bien sûr, pas les gros sacs des années 30 ou de vos mères ou grand-mères. Là on parle de choses quand même quand très petites, enfin là je vous ai dit. Tout ce qui est accessoire empire, ce sont toujours des petits accessoires. Un autre accessoire qu'on voit très très souvent, ce sont les ombrelles. Dès qu'on est en extérieur, donc du coup pas en balle en soirée bien entendu, mais il y a des ombrelles. Alors vous voyez ça, c'est typiquement une ombrelle empire. Donc euh, toute petite, bah, encore on est sur du petit accessoire, euh, et qui euh, est pliable, qui s'oriente en fait pour protéger du soleil. Donc ça c'est vraiment le Neck Plus Ultra euh, en termes de mode empire. Euh, vous avez aussi pas mal de parapluies, enfin je dis parapluies, parasols, ombrelles, euh, des fois on trouve un peu tous les mots en fait dans les sources. Euh, donc euh, là en pagode et ça, ce type d'ombrelle, de, de, ça peut encore se trouver, il y a encore des fabricants d'ombrelles qui en font, que vous pouvez après customiser un peu. Là vous avez donc euh, une ombrelle d'époque, euh, juste pour vous montrer euh, à quoi ça peut ressembler. Euh, ça, c'en est aussi une. Donc, vous euh, voyez, l'ombrelle, euh, elle peut être très très simple aussi. Elle peut être beaucoup plus grande que ce que je vous ai montré. Mais par contre, donc, ça, c'est une ombrelle qui, à mon avis, est d'ailleurs plutôt 18ème. Euh, et vous voyez que c'est quand même très moderne, en fait. Ça n'a vraiment pas l'esthétique qu'on s'imaginait à trouver pour une ombrelle euh, du Premier Empire. Il y a beaucoup de parapluies des années 30 qui sont des copies conformes d'ombrelles fin 18e ou Empire. Donc euh, si jamais vous avez la chance d'en avoir une chez vous ou chez un parent euh, un peu plus âgé, n'hésitez pas à lui emprunter parce que ça peut vraiment faire la blague de. C'est vraiment une très très bonne copie euh, euh, de ce que vous pouvez trouver à l'époque. Là vous voyez, donc on a un intérieur, donc, euh, parce que euh, ça peut aussi être recouvert en intérieur, donc pour ne pas voir les baleines. Donc vous voyez ici à gauche, je vous ai trouvé une gravure qui montre bien à quoi ça pouvait ressembler. Donc rien ne vous empêche de customiser aussi une ombrelle euh, plus moderne ou bien, euh, ou bien euh, de réparer une ombrelle ancienne. Sur les ombrelles modernes, j'aurais quand même tendance à vous conseiller, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas les ombrelles en dentelle, euh, genre les trucs pour touristes euh, avec les dentelles mécaniques très très épaisses, espèce de grosses guipures. Pas ça, s'il vous plaît. Ça, en reconstitution historique, jamais, 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 quelle que soit la période, brûlez-les. Enfin, je ne sais pas, faites-en quelque chose ou donnez-les à quelqu'un d'autre. Mais tout ce qui est éventail en grosse guipure ou bien ombrelle en grosse guipure, ça, ça n'a jamais été d'aucune période. C'est très, très moderne. Euh, là, vous avez encore une petite ombrelle euh, en pagode, donc vous voyez, avec, qui a été doublée avec euh, une couleur contrastante. Donc c'est fort, fort sympathique en termes de motifs. On va maintenant passer pour, sur tout ce qui est accessoire plus rare. Donc là, c'est vraiment si vous voulez vous la péter, entre guillemets. Euh, là, vous avez possibilité de porter plein plein d'accessoires euh, qui, qui sont pas souvent vus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, quand même aussi vous les partager. Voici un petit accessoire qu'on ne voit pas souvent, mais qui est très sympathique et qu'on retrouve pas mal de fois dans les sources. C'est tout ce qui est pèlerine. Alors la pèlerine, c'est tout simplement une espèce de petite cape, en fait, euh, qui vient se mettre sur les épaules. Et vous voyez donc là, fichu en pèlerine pèlerine à gros tuyaux faisant fichu. Donc on retrouve encore et toujours ce terme fichu. Je vous l'ai dit, le fichu c'est très 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 important à l'Empire. On ne se promène pas sans fichu en journée. C'est juste qu'il va beaucoup changer de forme sur la fin de la période, il va devenir plein de choses comme je vous l'ai dit, des cols, des collets, des choses comme ça et aussi potentiellement une pèlerine. Et donc c'est vraiment cette espèce de col que vous allez justement euh, poser en fait sur les épaules. Donc là vous voyez par exemple c'est bien indiqué euh, fraise détachée de la pèlerine, donc c'est à dire qu'en fait normalement la, la, vous pouvez avoir une fraise en haut de votre pèlerine, ça peut faire office de décoration tout comme vous pouvez porter votre fraise autour du cou et puis euh, la pèlerine simplement posée sur les épaules. Et ça je vous dis c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui on ne voit pas souvent en reconstitution, c'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre. Là je vous ai mis des pèlerines d'été parce que je me suis dit là pour les les prochaines reconstitutions qu'on a, c'est plutôt des choses d'été, mais vous pouvez imaginer une pèlerine en en velours, ou bien en soie, ou bien euh, en fourrure, enfin, tout, tout existe au niveau des pèlerines, euh, c'est vraiment l'espèce de petite cape qu'on se pose sur les épaules. Autre accessoire méconnu, mais qu'on trouve pas mal, c'est tout ce qui est mantille. En fait, la mantille, c'est vraiment la cousine encore du fichu. D'ailleurs, vous allez voir là-bas, sur les deux gravures que je vous ai mis, la dame n'a pas de fichu. Pourquoi elle n'a pas de fichu Parce qu'elle a une mantille. Euh, donc, vous voyez que la mantille, en fait, c'est comme un grand fichu. Par contre, il a, y a des pans qui descendent vraiment très très bas. Euh, et elles sont vous, sur les gravures ici plutôt en dentelle, donc une jolie dentelle, hein, bien entendu, pas quelque chose de synthétique. Euh, et donc en fait, vous voyez ces deux pans, on les voit bien d'ailleurs sur la gravure de droite, euh, donc en plus ils sont de forme carrée, donc il euh, n'y a aucun doute sur le fait que ce n'est pas un fichu, ce n'est pas un châle, c'est vraiment une espèce de petit fichu qui se pose sur l'épaule. C'est quasiment, enfin c'est très proche de la pèlerine d'ailleurs si on réfléchit bien, mais avec ces deux grands pans qui tombent sur l'avant. Là, je vous ai encore mis des pèlerines d'été, donc en dentelle, mais vous avez aussi toutes les versions hiver qui existent, donc très très chaudes en fourrure, euh, en soie, en tout ce que vous voulez, en laine, voilà. Peu importe, mais la pèlerine, ça reste aussi une valeur sûre pour vous promener euh, en extérieur si jamais vous avez peur d'avoir un peu froid. Un autre accessoire méconnu sur la période, c'est la palatine. Et la palatine, elle vit ses dernières heures. Après, on va. Un peu l'oublier. C'est vraiment ce boa en fait que les dames là elles ont autour du cou donc euh, ça peut être fait en poil, donc en fait en fourrure, ça peut être fait en plume, ça peut être fait en peluche de soie. Ce qui est sûr c'est que c'est pas très large, pas très épais donc c'est pour ça que je parle de boa mais en réalité c'est pas vraiment un boa, c'est beaucoup plus fin qu'un boa euh, et puis ça permet euh, de se réchauffer un peu. Bon, on est d'accord que c'est moins courant que si elle portait euh, une, une pèlerine ou ce genre de choses mais il n'empêche que ça peut faire euh, un un effet un peu sympathique à moindre coût euh, et surtout c'est pas réservé euh, uniquement à la journée vous pouvez aussi en avoir potentiellement pendant le bal si jamais il fait un peu froid et comme ces dames là vous pouvez le porter comme vous voulez c'est à dire même en bandoulière comme sur la gravure de droite ou bien euh, euh, avec un noeud autour du cou comme sur celle de gauche là c'est vous qui voyez ce qui vous plaît Enfin, dernier accessoire que je voulais vous présenter, c'est tout ce qui est tablier, parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais souvent les dames à l'époque portaient le tablier. Alors on est d'accord, le tablier, c'est vraiment réservé à l'origine plutôt aux artisanes, donc c'est pour ça que ce sont vraiment des choses de travail qui vont permettre de protéger votre vêtement. Euh, des tâches potentiellement que vous pourriez faire. Mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est-à-dire que euh, c'est aussi un accessoire de mode à part entière. Donc vous voyez d'ailleurs à droite la dame, son, son tablier, il est, il est loin d'être laid parce qu'il est vraiment... Euh, il, prend, il, il fait une espèce de corbeille sur la poitrine, euh, ce qui montre qu'il est vraiment coupé pour, faire, pour en faire un accessoire de mode à part entière. Euh, là, vous avez des versions beaucoup beaucoup plus, euh, enfin, beaucoup moins populaires, on va dire. Donc, euh, le tablier, vous voyez à gauche, est en une très très belle matière. À droite, la dame, c'est clairement une bourgeoise qui doit avoir pas mal d'argent et vous voyez qu'elle porte un petit tablier, mais que le tablier, il est vraiment là uniquement pour le côté esthétique de la chose. En plus, il possède des poches, ce qui peut être bien pratique. Et là, vous avez carrément une dame qui est au bal, donc qui est en train de danser et comme vous pouvez voir, elle a aussi un tablier. Donc, ce qui est vraiment la preuve que le tablier, c'est vraiment un accessoire à part entière, mais qui se porte quel que soit votre, votre rang, entre guillemets. Alors, je ne pense pas quand même qu'à la cour de l'Empire, on va aller s'amuser à porter un tablier. Mais par contre, une bourgeoise, même une grande bourgeoise, peut complètement porter un tablier en journée, en balle. C'est possible. Si jamais vous, vous trouvez votre robe fait un petit peu vide, ou bien que vous trouvez un beau tablier, un beau tissu, une belle dentelle ancienne, pourquoi pas justement l'utiliser comme ça voilà, donc on a fait un peu le tour sur ce qui existait en termes d'accessoires à l'époque. Euh, j'ai été très vite, même si la vidéo fait quasiment une heure. Il faut savoir qu'en réalité, euh, j'aurais pu durer des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, je vais être obligée de faire d'autres vidéos parce qu'en fait, il y a plein de sujets que j'ai à peine effleuré, tout ce qui est, euh, est couvre-chef. Euh, il y avait beaucoup de choses à en dire, euh, chaussures pareilles, euh, les choses pour se tenir chaud. J'ai euh, chanté énormément de pièces possibles. Il faut savoir que des accessoires... Je c'est vraiment une mode qui est orientée à accessoires donc j'ai dû vraiment faire des choix pour simplifier la chose mais j'aurais pu en dire beaucoup plus et je le ferai dans une prochaine vidéo plus tard euh, en tout cas si jamais vous regardez cette vidéo après janvier 2022 dites-vous que vous pouvez aussi télécharger my costume qui est une petite application qui vous donnera tout ce que je vous ai dit là en fait directement vous l'aurez dans l'application comme ça vous n'aurez pas besoin de re-regarder la vidéo vous êtes sûr de ne rien oublier sur ce, je vous remercie vraiment fortement pour votre soutien, vos petits commentaires, les partages, les likes, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.